Aïe, 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 vous vous êtes fait ce que j'appelle très sobrement zaquer. Vous savez, c'est quoi se faire zaquer? C'est quand vous vous faites hyper par Zach qui sort beaucoup de vidéos pendant une semaine avant de partir pendant 5 jours sans crier gare. Mais bon, c'est un petit classique, hein, maintenant, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Si vous me suivez depuis réellement longtemps, vous y êtes habitué. Je vous avais promis de jouer à Black Ops Cold War ce week-end, sauf que j'y ai joué sur PS4, c'était vraiment pas hyper fluide, je trouve. Vraiment, je pense que limite, c'est un problème qui vient de ma PS4 parce que, je sais pas, le jeu, je le sentais pas, tu vois. Donc j'ai attendu la version PC qui est là, là, elle est là, regardez, sous mes yeux, ça fait un petit peu plaisir. Donc on va pouvoir aller dessus, pas la tester parce que vous le voyez, je suis niveau 7, ça fait déjà une petite heure que je joue dessus. Mais je vais pouvoir donner mon avis, on va pouvoir parler, ce sera le premier live gameplay. Après on peut parler de plein de choses, hein, je vous le dis, personnellement, j'ai fait un stage à l'IHU de Marseille, Didier Raoult, tout ça. Donc on peut parler de la pertinence du couvre-feu alors que dans un contexte socio-économique et sanitaire qui n'est pas favorable dans ce pays. C'est bon, je vais pas parler de ça, moi ça me casse la tête, je suis en train de vriller complet. Alors que en ce moment, j'ai des échéances professionnelles. J'ai Zach en roue libre avec Zaiwoo qui s'est super bien passé, qui sort là demain sur YouTube. Ça me fait plaisir avec des sous-titres pour pouvoir stonks sur les Anglais qui ont envie de regarder sur HLTV et Reddit. Entre le début de mes cours, professeur Zach a donné son premier cours, c'est super bien passé. Entre mes envies de voyage exacerbé, tout à l'heure, j'étais à deux doigts de prendre un billet d'avion pour aller à Tallinn en Estonie, frère. Tu vois bien que c'est un sujet qui m'affecte mentalement, putain de merde. Donc, en prenant en compte le fait que je sois pas super stable mentalement, on va y aller in-game. C'est parti. Let's go. Let's go, let's go, mes boys. Alors là, je fais cette vidéo alors que j'étais à deux doigts d'être dans un avion direction l'Estonie. Plus, tu connais l'Estonie. L'Estonie, c'est sombre, donc tu te doutes bien qu'il n'y avait même pas de direct. J'allais faire une escale à Varsovie, mes frères. Oui, 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 je sais. Je suis ce genre de mec qui a les moyens socio-financiers de partir du jour au lendemain. Ça va, je rigole, moyens socio-financiers. Oh, Starshipper. Starshipper, c'est un très, très bon streamer Warzone. Il est très, très fort, je vous le conseille, c'est le frérot. Ancien joueur BF, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas si ici il y a des Estoniens sur ma chaîne ou des gens qui sont déjà allés à Tallinn. Je sais pas s'il y en a qui savent ce que ça vaut, tu vois. En général, quand tu parles d'Europe, ouais, j'ai envie de voyager en Europe. T'entends peu de gens qui te disent, ouais, alors moi je suis allé en Estonie, c'était trop lourd. Mais c'est justement aussi le principe, hein. Oh, dommage! Le principe, c'est pas seulement d'aller dans des endroits connus, sinon on irait tous à Lloret des Mar et Marbella en écoutant 13 bandes organisées. Bon, au bout d'un moment, notre vie serait un petit peu à chier, tu vois. Dédicace aux gros kékés qui vont à Lloret des Mar tous les étés, on vous déteste. Hein. Vous n'êtes pas apprécié ici. Non, ça va, je rigole. Oh, du coup, ce petit Black Ops Cold War. Bon, franchement, elle me fait plaisir, cette petite version PC. Hein, moi, je l'attendais grandement. Pas que je sois spécialement devenu un joueur élite PC, hein. Je suis toujours aussi nul à chier. Attends, ils sont devant moi. Ok, petit double gratuit, comme ça. Un petit double gratuit, les amis, on mange. Pas que je sois spécialement devenu un joueur PC, mais je prends plus de plaisir à jouer clavier-souris maintenant par rapport au clavier... Par rapport à la manette. Vous inquiétez pas, je vous lâche pas, mes frères. Vous êtes toujours méga sûr. Je serai toujours un représentant de la console. Toujours je vous défendrai par rapport aux gros kékés des plages du PC qui disent « Ah, les arcontins trop cheatés avec le dans la visée !» Vos gueules ! PCistes de merde qui se sentent au-dessus parce qu'ils jouent sur une console différente. Sur une console différente, sur une plateforme. Bon, du coup, ce petit Black Ops Cold War me fait plaisir. Je dis ça, je me prends une bouche, hein, c'est... Du coup, ce petit Black Ops Cold War me fait plaisir sur PC, hein, ça fait plaisir parce que le jeu est très fluide, voilà, c'est très très cool à ce niveau-là. Et surtout, entre l'alpha et la bêta, j'avais annoncé, donc pour ceux qui avaient regardé ma vidéo sur l'alpha, je vais pas totalement me répéter, mais j'avais annoncé notamment... Qu'en général, entre les alpha, les bêta, tout ça, il n'y a pas trop de différence. Là, ils nous ont montré qu'ils étaient réactifs. Réactifs, les amis, ils ont été réactifs. Non, mais l'autre, il avance en visant. Ils ont été réactifs dans le sens où ils ont pu modifier des choses, notamment les mouvements, etc., que je trouve bien sympa. Pour l'instant, il y a une grosse amélioration à ce niveau-là. Même si c'est loin d'être parfait. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose que je trouve absolument intolérable. Wouhou! Ils ont tué les drop shots. Ils ont tué les drop shots, donc le mouvement qui consiste à tirer en s'allongeant. C'est pas que ce soit le plus réaliste du monde, hein, mais de toute façon, après, si tu veux une simulation réaliste, tu vas pas sur Call of Duty. Mais c'est un peu relou parce que c'est quelque chose qui était classique dans cette série que j'ai toujours apprécié faire. Donc le fait de plus pouvoir en faire, c'est assez relou. C'est le seul truc sur lequel je me plaindrais un peu au niveau des mouvements, parce que globalement, je les trouve largement meilleurs. Je trouve les sensations plus sympathiques que pendant l'alpha. Attends, j'ai envie de montrer la taille de mon sexe, là. Wouhou, série 3, série 3, je suis un monstre, ça y est. Avion espion. Le gameplay est validé, j'ai pu sortir. Aïe. Non! Non! Je l'avais pas vu! J'allais dire, c'est bon, série 3. La partie gameplay est validée pour YouTube. Le mec a des standards nul à chier. Palmarès de mon fils, il s'est compté jusqu'à 3, c'est un génie. Oh! J'avais encore 12 balles, je suis débile. Il va venir.
Double. On a fait le petit double. Série 3. Let's go. Alors, il y a plein de trucs, cette fois, que je vais relever vis-à-vis de mes nouveaux tests de ce Call of Duty. Alors, je tiens à dire que je n'ai pas... Je ne vais simplement donner mon avis en argumentant, en expliquant pourquoi. Je n'ai pas la primeur des bons avis sur Call of Duty. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez le dire respectueusement dans les commentaires. Et on peut en débattre avec grand plaisir. Donc, moi, maintenant que j'ai joué un peu pas mal, tu vois, cette bêta, il y a un sentiment désagréable qui me revient à l'arrière de la bouche. C'est que j'ai l'impression qu'ils ont tout designé dans le jeu, ou en tout cas une bonne partie, tout pour les nuls. Donc j'ai mis tout pour les nuls dans le titre parce que c'est un peu péjoratif, mais bon, il n'y a pas de honte hein, d'être nul à Call of Duty. T'imagines le jour où on te dit ah bah la honte, t'es pas bon à Call of Duty, c'est que ce monde sera dans un piètre état, les frérots. Bon, je suis dans une petite série de 5. Donc quand je dis tout pour les nuls, c'est que j'ai l'impression que tout le game design, tout ce qu'ils ont pensé, c'est pour améliorer le confort de jeu des joueurs les plus mauvais. Alors en même temps, c'est assez logique hein, parce qu'on n'est pas sur CSGO, je peux pas trop me plaindre de ça dans le sens où on n'est pas dans un jeu suffisamment élitiste pour que je te dise waouh, skill, skill, que skill, que skill. Call of Duty, dans son histoire, les frères, il y a eu des trucs toxiques et faciles de... facile d'utilisation, c'est ce qui a fait également là, cette licence, et qui fait qu'elle est devenue ce qu'elle est à l'heure actuelle. Donc ça ne me dérange pas. Le truc, c'est que entre, donc maintenant je vais citer quand même des arguments, entre le fait d'avoir quand même ton élimination, donc ton kill en ayant subi, enfin en ayant mis une partie des dégâts. Donc t'as quand même dans ton score, tu vois, un kill qui est affiché si par exemple tu as une assistance. Donc ça, c'est quand même assez chiant. Entre ça, entre les streaks qui maintenant ne se reset plus quand tu meurs, ce qui permet aux joueurs évidemment les plus mauvais de continuer à avoir des streaks, et ça rend les parties un peu chiante dans le sens où n'importe quel pégu qui ferait 10 kills et 20 morts va avoir un streak à un moment ou à un autre, que ce soit un avion espion, un contre-avion espion, t'as compris, parce que je dis avion et avion espion alors que c'est la même chose, voire même peut-être une frappe d'artillerie, tout ça, c'est assez relou. Et tu sens que c'est quand même fait en sorte pour que n'importe quel kéké puisse également avoir ses streaks, tu vois. Bon, je vais pas revenir sur le SBMM, hein, également, le SBMM, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, d'ailleurs, je vous invite à la regarder. 18-6, ça va, petit gameplay sympa. Le recul 0, c'est honteux. Par contre, le mec est chaud, mais l'arme a l'air lourde, mais voilà, le recul. Donc, entre les streaks qui ne reset pas et qui permettent du coup à tout le monde d'en avoir, quelle que soit ta série, alors que j'aurais préféré un système à la MW3 où tu peux avoir des streaks dead, comme les drones par exemple, qui eux ne resettent pas, mais les streaks style artillerie, etc., ça aurait été sympa que ça resette et qu'il reste encore un peu de mérite, tu vois, un peu de skill qui rentre dans le jeu et que tu sois vraiment content de les avoir. Alors qu'à l'heure actuelle, il y en a trop. Dans les parties, il y en a trop. Il y a trop d'avions, il y a trop de contre-avions, il y a trop d'artillerie. C'est vraiment relou, je trouve. Donc les streaks, le SBMM, les éliminations qui comptent et qui boostent ton score artificiellement, entre guillemets, et qui permet à des personnes d'avoir des bons scores sans nécessairement, je dirais pas les avoir mérités, mais sans nécessairement que ce soit réel par rapport à leur gameplay. Et enfin, un dernier point que je vais vous dire quand la game commence. J'ai quand même du grand respect pour les personnes qui, sur une bêta sortie il y a à peu près 2 heures, sont déjà niveau 26, 30. C'est pas rare, depuis tout à l'heure je tombe sur des mecs comme ça. Vous avez une vie fantastique. Hein. Je ne critique bien sûr pas ceux qui s'adonnent au fait de jouer aux jeux vidéo. C'est que les mecs power un truc, j'ai rarement vu ça. Donc, je vous ai cité SBMM, streak, les émulations, et enfin, un dernier truc que je trouve un petit peu problématique et qui me fait dire que leur vision autour de ce jeu est plus basée pour pouvoir améliorer le confort de jeu des plus mauvais au détriment peut-être des plus expérimentés, c'est... Attends, il y a quelqu'un là-bas. Ouh, mon shoot. Oh, mon shoot. Ah, shoot d'alcoolique. Shoot d'alcoolique, je fais partie des plus mauvais, c'est pour moi tout ça, faut que je les exploite. Ah, non, regarde ce que je... C'est le micro de terrain. Le micro de terrain. Alors pour ceux qui se rappellent, sur Black Ops 1, il y avait déjà un truc comme ça. Hein. Je vois rien là. Wow, il est tellement loin, je l'ai pas vu. Donc il y avait déjà sur Black Ops 1 un truc comme ça qui permettait d'avoir la position des joueurs dès que tu le balançais. Là, c'était un grand truc blanc, je sais même plus comment ça s'appelait. Mais bon, les OG s'en rappelleront. Et là où je veux en venir, c'est que ce micro de terrain est archi cheaté parce qu'il couvre une grosse période... Enfin... Il va mourir? Il ne veut pas que je m'amuse. Wouhou! Série 2! Il couvre une grosse une grosse place géographique. Je sais pas parler français. Bref, il couvre un gros endroit, mais surtout, son plus gros problème, du coup, à ce micro de terrain, c'est que il suit les mouvements des gens en continu. Et ça, c'est putain de cheaté, parce que t'es ni plus ni moins que quand tu vas en game privé et que tu mets...
un passage du radar en continu. C'est ultra cheaté, c'est ultra beaucoup trop puissant, c'est ultra beaucoup trop puissant. Et c'est un peu problématique, et voilà. Donc j'espère que cette vision-là des joueurs un peu plus mauvais, un peu plus naze pour rendre tout accessible, tout facilité, je ne la critique pas dans le fond parce que je comprends leur principe, parce que quand tu te mets du côté d'Activision, eux, leur but, c'est d'avoir ce qu'on va appeler un taux de rétention des joueurs élevé. Et comment est-ce que tu fais pour avoir un taux de rétention des joueurs élevé? Bah, il faut déjà un bon jeu, voilà, ce que je pense que Black Ops War peut être. Le truc, c'est qu'un Call of Duty, tu ne juges pas qu'à son gameplay, tu juges également à sa gestion de son contenu, tout ça. Et ça, c'est le futur qui nous le dira. Oh, je savais même pas qu'on pouvait monter par là, série de sacs, baby! Avion espion! Et lui, je l'ai gagné, je l'ai mérité! Lui, je l'ai gagné! Ah, je me suis fait tuer par contre derrière. Chou. Donc, on espère, voilà, qu'il vaut aussi penser à nous, les joueurs un peu plus OG qui ne sont pas nécessairement mauvais, tout en travaillant leur taux de rétention et trouver un moyen, voilà, de please tout le monde. Et faut également que Treyarch rende honneur au travail fait par ceux qui ont fait Modern Warfare 2019. Infinity Ward, au niveau de la gestion des contenus en multi, au moins cette année. Je vais pas parler de Warzone. Oh, une petite élimination, t'as mérité! Je vais pas parler de Warzone parce que c'est vrai que Warzone, j'ai pas beaucoup parlé avec Lohan et apparemment les contenus sur Warzone ont été vraiment pas si ouf cette année. Mais au niveau du multi, les season pass ainsi que les nouveaux trucs, les nouvelles cartes, les nouvelles armes, tout ça constamment gratuit, ça a été quand même, quand on pense à comment c'était avant, un grand upgrade, et ils l'ont fait très bien à ce niveau-là. Donc je tiens quand même à être bon joueur et à leur dire voilà, ça ils ont géré, ça ils ont pas géré, donc je reconnais ce qu'ils ont géré et je critique ce qu'ils ont pas bien géré. Bon voilà voilà, donc place aux commentaires, dites ce que vous pensez et tout ira bien. Donc c'est bon, Zach le prof a donné son premier cours les frères. Ah, Zach le prof, j'ai été prof et je m'attendais à avoir une petite classe pour être honnête. Donc c'est une classe, je pensais que j'allais voir 10-15 personnes, ils étaient 27. Le plus jeune avait 16 ans, le plus vieux 25, mon âge, donc j'étais étonné. Pour ceux qui se demandent, je donne des cours de quoi, en gros je vous explique, je suis dans une école un peu commerce, tout ça, machin, etc. Et il y a une option qui concerne un peu le monde du streaming, donc je leur parle de un peu de l'écosystème des plateformes, comment de la partie hardware, de la partie software, comment régler un stream, le nécessaire pour pouvoir en faire, etc. C'est pas un cours qui a vocation pour être streamer, ce n'est pas le but, c'est plus pour donner des clés, leur expliquer un peu le monde, des choses un peu plus côté financière, etc. sur des fonctionnements de web TV, sur la réalité du métier, tout ça. Voilà, moi franchement je suis très content, je suis pas prof vraiment, je suis plus intervenant et j'ai donné mon premier cours, 3 heures et putain, 3 heures de cours les frères, faut les faire. Hein. Oh, 3 heures de cours mon gars, faut les tenir. Hein. Énorme respect aux profs qui sont là et qui préparent toujours leurs cours et qui sont toujours carrés à ce niveau-là parce que la préparation du cours c'est long. Hein. Oh, je me doutais pas. Hein. Une heure de cours, ça donne à peu près une heure de préparation, vraiment. Je vais revoir mon point de vue sur les profs, vous méritez vos vacances et vos salaires les gars. Je dis ça alors que les profs sont loin d'être pleins aux as. Hein. Le système est un peu problématique quand un prof qui enseigne des choses aux gens, que Zach Nanil pouillant en caleçon devant son PC, mais ça c'est autre chose. Je suis en train de faire ce qu'on appelle du populisme. Oh, Thiago Silva il gagne plus que les infirmières en tapant dans un ballon. Donc j'ai mon prochain cours qui est demain. D'ailleurs en arrivant je leur ai dit directement, les gars, moi je suis très sympa, on va passer une très bonne année, j'en doute pas. Je suis même plutôt confiant. Par contre vous allez respecter le port du masque, etc. Tout simplement parce que je ne veux plus. Oh, j'entends quelqu'un à ma droite, mais je sais pas où il est. Il y a quelqu'un à ma droite, mais je sais pas où il est. What the fuck? Mais il est invisible! C'était une grenade. Je crois que c'était un leurre. Oh, je suis un débile. Oh, je suis un idiot bête, les gars. Là, par contre, c'est sale ce que j'ai pris. Là, c'était sale. Je suis un idiot bête! Mais un idiot bête qui gagne la game, et ça, c'est beau, voyez-vous. Petite élimination pas méritée, pardon. Allez, let's go! Je tiens quand même à dire que en ce moment, j'ai un karma maudit. J'ai un karma maudit dans le sens où... Alors, je crois que j'ai fait le même score que la game d'avant. 19-16, 18-6, 19-7. Ça fait au total 37 kills pour... 15 morts, ouais, c'est ok, c'est pas dingue. Ça fait un gameplay, ça fait deux gameplays sympathiques, deux ratios de 3 presque. On va plutôt les voir comme ça, vous voyez. En ce moment, j'ai un karma négatif dans le sens où j'ai tweeté un truc, j'ai tweeté « Ouais, mercredi, Macron sera pas reconfinement, tout ça, il va juste vanner un peu sur le télétravail, dire « S'il vous plaît, faites du télétravail, les entreprises, avant d'avoir 30 000 cas le lendemain. » J'ai eu raison sur les 30 000 cas, mais pas sur le truc du reconfinement, pas reconfinement. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on est en situation de couvre-feu, et vu que c'est une période où ça va faire un peu de mal pour beaucoup de personnes, pour tout ce qui est aspect mental, etc. Je sais que le confinement ça avait fait des dégâts à ce niveau-là à beaucoup de monde. Je quand même tiens à vous souhaiter force à vous, du courage. On va réussir, on va traverser cette période de merde ensemble. Je vais essayer de vous divertir au maximum. Si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas. Je pense à vous. Sur ce, fin de cette vidéo, des gros bisous et je vous dis à dans le week-end. À plus les frères. Bisous.